venant de retrouver ça dans sa chambre. Ça peut être à faire un braquage. Bonne journée, madame. Non mais, tu te rends compte? Mes parents ont dû voir la Vierge, hein. Non mais sérieusement? Qu'est-ce que j'irais faire dans ce désert? Bon, mec. Abuse pas un peu là. L'Afrique a des atouts aussi. Surtout nos jolies filles blagues avec leurs fesses à bouger le souffle, mon frère. On dirait une bouteille de coca, là, j'assure. Mais regarde-moi cette petite idée, là. Quoi? Bah oui. C'est la vérité. Non mais sérieusement, pourquoi tu redoutes autant ce voyage? Bah tu sais, j'ai pas connu mon père. Du moins depuis l'âge de 8 ans. Et là, ce dernier, il sort de nulle part pour venir me dicter ma vie, quoi. La chambre principale. La chambre d'amis, la douche, et là, c'est ta chambre. Nous l'avons aménagée pour la circonstance car ta maman nous a dit que tu aimais beaucoup le rap. Il y a plein de posters, Maître Gims, Booba, Youssoupha, La Fouine et bien d'autres. Là. Je suis mieux placé pour t'expliquer cette pièce. Je suis plus disposé à continuer la visite. Allez-y sans moi. C'est quoi cette merde? Comportement là. Hein? Ça ne va pas chez toi? Je vais parfaitement bien. La ferme! Viens-moi! Écoute, tu n'as même pas une petite notion de politesse. C'est cette éducation là qu'on vous donne en Europe? Hein? Écoute, fallait penser à mon éducation avant d'aller te marier avec cette putain! Oh.